faire ces Indiens-là, Saint-Dié. Alors, ils viennent dire à tous les enfants qui seront dans la salle que le nom América a été découvert ici, donc à Saint-Dié-des-Vosges, au XVIe siècle. Voilà. Et donc, ils viennent aussi présenter effectivement un spectacle qui est lié effectivement à la musique baroque sud-américaine, qui est quelque chose qui a été apporté à l'époque espagnole en particulier et italienne lorsque les jésuites sont allés dans ces pays d'Amérique du Sud. Ces Indiens sont les Indiens d'Amérique, c'est ça ? Ce sont les Indiens d'Amérique, ils viennent de Bolivie, donc ils sont d'une région de Bolivie où effectivement il y a eu ce qu'on appelle des réductions jésuites, c'est-à-dire qu'effectivement les religieux, quand ils sont venus donc, en Amérique du Sud pour les convertir, ont ouvert des espèces de grands centres où effectivement ces Indiens ont appris la musique baroque et un certain nombre de choses, donc ils le restituent toujours et c'est toujours dans leur tradition. Et évidemment ça a été enrichi par leurs propres instruments, leurs propres instruments. C'était prévu depuis assez longtemps puisque ça rentrait dans le cadre du Festival des Abbayes et il faut tomber au bon moment, etc. Ce qui explique que c'est un peu plus tôt que le festival qui se déroule plutôt sur l'été, mais l'opportunité était là à ce moment-là. Mercredi donc à 19h, un grand concert donc avec cet ensemble, mais sur un sujet qui est beaucoup plus lié à leur histoire religieuse, donc une passion hein, donc de l'époque de Pâques, qui sera chantée et dansée, parce qu'effectivement, dans la tradition de ces Indiens, il y a effectivement le chant, la danse, la musique, mais également la danse, donc qu'ils pratiquent régulièrement et qu'on pourra voir ce mercredi.